Bienvenue chez Djabarobovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec les surfaces composées. Donc, sans toutefois tarder, on va montrer tout simplement l'exercice de l'application. On peut donc voir tout simplement la vue de face ici de la pièce, d'accord, telle qu'on a représentée là. On voit la vue de dessus ici. On voit que notre surface composée a deux bases là. La base supérieure, on voit bien qu'elle est circulaire. On voit donc la base inférieure ici est rectangulaire, telle que le profil de la base circulaire, on voit que c'est tangent, d'accord, en cette face donc de la base inférieure. Donc on peut donc voir comment la base supérieure ici est tangente ici. Donc il est question donc de montrer étape par étape comment faire pour réaliser tout simplement le développement donc de notre surface composée, d'accord, tel qu'on voit là, tel qu'on va réaliser dans nos ateliers. Ok, sans toutefois tarder, on va d'abord compléter les puits. Pour compléter les puits, on va d'abord diviser la base inférieure, c'est-à-dire la base circulaire, d'accord, en 12 parties égales, d'accord, c'est-à-dire on va chercher, après on va chercher les points tangents. Donc on divise donc en 12 parties égales. On n'a qu'à placer donc notre compas, d'accord. On prend donc le rayon de la base inférieure tel qu'on voit là. On va se placer donc tout simplement au point T1, T2, T3 et T4. On va décrire des arcs, des cercles, des pas et d'autres. On aura donc la division tout simplement en 12 parties égales. Ok, là on peut voir qu'on a déjà donc divisé en 12 parties égales. Ici on a appelé ici T1, donc ici on peut appeler ici le point 2, 3, 4, d'accord, 5, 6, 7 ici, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on peut voir comment on a donc divisé tout simplement donc la base en 12 parties égales. Maintenant, la méthode qu'on va utiliser tout simplement pour développer ici, on va utiliser donc la méthode des plans tangents. D'accord? On va donc chercher les plans tangents. On voit que la base inférieure est bien rectangulaire. Donc, il y a des segments de droite. Sur ces segments de droite là, ces segments de droite vont nous donner tout simplement donc des surfaces planes. On peut prendre par exemple ici la surface AB. D'accord? On cherche donc le point tangent T2 tel qu'on voit là. Pour obtenir T2, on voit bien que si on appelle donc le centre donc de cette base ici haut, on n'a qu'à placer tout simplement dans notre équerre, d'accord, tel qu'on voit là. On place donc perpendiculaire, on trace donc la perpendiculaire passant donc par le centre haut, c'est-à-dire le centre donc de la base circulaire. On trace donc tout simplement ici. Ça vient donc couper la base circulaire ici au point T2. Ça nous donne donc le premier point tangent. On n'a qu'à joindre donc à partir du point B. On joint donc B, T2 et A, T2. De la même façon, on passe encore tout simplement ici. On cherche donc le point tangent T1. On met encore l'équerre tout simplement ici. D'accord, perpendiculaire A au segment donc AD. Tel que ça passe toujours par le centre ici, dans le centre du cercle, du centre du cercle de la base circulaire. En traçant tout simplement, on obtient donc le deuxième point tangent ici que nous avons appelé ici T1. Ici, ça coupe la base ici. On n'a qu'à joindre donc tout simplement. On joint donc DT1 et AT1. De la même façon, on cherche donc tout simplement le point tangent à ce niveau-ci. On a donc notre segment DC. Donc avec l'équerre, on met encore perpendiculaire à DC passant toujours par le centre du cercle donc circulaire, de la base circulaire. On met là, d'accord, tel qu'ici on a un angle droit à ce niveau-ci. En traçant donc tout simplement ici, passant par haut, on obtient donc ce point-ci qui est T4. On n'a qu'à joindre donc DT4 et CT4. Et le point tangent donc de la surface BC, d'accord, du segment donc BC tel qu'on voit là n'est autre chose que T3, d'accord, parce qu'on sait bien que C, T3, B donne tout simplement un triangle tel qu'on peut voir ici, d'accord, puisque ici on a une droite verticale ici, ça veut dire que le point M1 et N1, d'accord, sont alignés tel qu'on voit là, d'accord. On peut donc voir ça ici sur la perspective cavalière que nous avons donc réalisé ici, d'accord. Donc on a bien un triangle ici. Donc le point tangent qu'on voit ici, c'est ce point-ci. Donc on voit donc bien, d'accord, cette partie-ci qui est triangulaire là. Donc on a donc notre surface plane. Maintenant, si on se résume, ça veut dire tout simplement que chaque segment de droite que nous avons eu là nous donne donc des surfaces planes.
On en a donc combien? 4 segments de droite. Donc, on aura donc première surface plane, deuxième, troisième donc de ce côté-ci, tel qu'on voit ici sur la perspective, et puis 4 surfaces planes. D'accord? Pour les portions donc de cône oblique, les portions donc de cône oblique, on en a combien? On voit ici qu'on aura donc une portion de cône oblique, 2, 3, 4. Donc, on peut donc conclure ici tout simplement que le nombre de surfaces élémentaires qu'on a ici, les surfaces planes, nous en avons donc 4 surfaces planes, donc des surfaces triangulaires. Les portions donc de cône oblique, nous avons vu que nous avons encore également donc 4. Une fois qu'on a donc déterminé, donc complété les puits ici, on va joindre donc les différents points tout simplement. Donc c'est-à-dire, on va joindre donc A11, A12, B9, B8, d'accord, D2, D3, C5, d'accord, C6. Ok, donc on peut donc observer comme nous avons donc tout simplement complété ici, d'accord. Ici on a donc 3 primes ici, 11 primes là, d'accord. Ici on a donc 4 primes, 10 primes. Ici on a donc 5 primes, 9 primes. Et ici on a donc 6 primes, 8 primes. Donc 6 primes, 8 primes ici. Donc voilà comment on complète donc tout simplement dans les puits. On nous demande donc dans le développement de réaliser tout simplement un demi-développement. Donc, ce que nous allons faire, on va donc déterminer un demi-développement. On voit donc la ligne d'assemblage ici, d'accord? C'est-à-dire, on va donc déterminer le développement ici, sachant que la pièce elle est symétrique. Donc, si on a le développement d'un côté, d'accord? Après, on va donc former la tôle, d'accord? Identique. Et après, on va venir tout simplement ici, à l'aide donc de ce cordon de soudure, tel qu'on voit là. On va donc assembler à ce niveau-ci. Donc, nous allons faire uniquement donc le demi-développement de cette surface composée. Ok, pour développer donc notre surface composée, on va donc commencer donc par chercher les vraies grandeurs, la recherche des vraies grandeurs, d'accord, des droites. Maintenant, on va chercher donc la vraie grandeur de la droite A, donc A10. On sait qu'ici A10, d'accord, on voit bien que c'est incliné là, c'est oblique, donc c'est une droite oblique. On va donc chercher sa vraie grandeur. Pour chercher tout simplement donc sa vraie grandeur, on prend donc tout simplement le compas, on place donc au point A, on ouvre donc jusqu'au point 10. Une fois qu'on appuie jusqu'au point 10, on vient donc sur le trait carré tel qu'on voit ici en image. Voici donc le trait carré, c'est-à-dire deux traits tracés donc à 90 degrés. On place donc tout simplement ici. On décrit donc tout simplement là. Donc ici on a donc tout simplement donc A10. On n'a qu'à joindre donc tout simplement ici. On joint donc A10 à ce niveau-ci. D'accord, sachant bien que ça c'est la hauteur tout simplement donc de notre surface composée telle qu'on voit là sur la vue de face. D'accord, donc voici donc la vraie grandeur donc de A10 que nous venons donc de déterminer là en bleu. De la même façon, on va déterminer maintenant la vraie grandeur de A11. Pour déterminer la vraie grandeur de A11, on place encore la pointe sèche du compas au point A. On ouvre jusqu'au point 11. On revient donc tout simplement dans une autre trait carré ici. On place encore la pointe sèche ici. On décrit encore. On a donc A11 ici. On n'a qu'à joindre tout simplement donc A11 à partir donc de ce point-ci. Donc voici la vraie grandeur de A11 que nous venons donc de trouver. On continue. On cherche donc la vraie grandeur de AT1. On ouvre le compas tout simplement jusqu'à AT1. On revient encore sur le trait carré donc à ces niveaux. On voit que AT1 est confondu avec A11. Donc voici également encore la vraie grandeur de AT1. On continue tout simplement. La vraie grandeur de MN.
On place dans la pointe sèche au compas. On ouvre dans la droite MN. On vient donc reporter ça sur le trait carré. On n'a qu'à joindre encore tout simplement ici, en ce point-ci. Et on a donc sa vraie grandeur tout simplement en bleu. D'accord, nous sommes maintenant au point B. On prend donc tout simplement tel qu'on voit l'image, donc B, T2. On vient donc sur le trait carré, tout simplement. On cherche donc sa vraie grandeur. On pointe encore ici. On a qu'à joindre donc tout simplement ici, toujours au sommet. Et on a donc la vraie grandeur. Donc nous sommes déjà sur la portion donc du cône au point B. La portion donc du cône oblique au point B. Donc on a qu'à joindre là. Donc voici donc la vraie grandeur des B, T2. On continue. B9. On joint donc tout simplement ici au sommet. On a donc B9. Voici donc la vraie grandeur de B9. On continue. B8. On cherche donc la vraie grandeur de B8. On a donc ici, donc, comme nous avons dit, ça c'est la vraie grandeur donc, de B8. On continue, on cherche donc la vraie grandeur de BN1. On vient donc sur le trait carré. Ok, donc on cherche donc la vraie grandeur. Voilà donc la recherche donc des vraies grandeurs que nous venons donc de déterminer ici. D'accord, on peut, comme nous avons dit, il faut bien comprendre que N'1, c'est tout simplement dans une droite verticale. D'accord, c'est pour ça que les projections à ce niveau-ci, d'accord, on voit que c'est confondu. D'accord, c'est pour ça que la projection donc horizontale ici nous donne des points. D'accord, c'est pour ça qu'on a le point N1 et M1 aligné tel qu'on voit ici. Parce que si on regarde la perspective cavalière ici, d'accord, si on projette ça, d'accord, si on veut représenter la vue de dessus, on va voir bien que les points N1 et M1 sont donc confondus. Ok, une fois qu'on a donc fini la détermination donc des vraies grandeurs, on peut donc passer tout simplement à la recherche donc du demi-développement. Donc, on va commencer notre demi-développement en traçant d'abord donc AB, qui est bien en vraie grandeur. Ok, donc comme nous avons dit, AB est tout simplement donc en vraie grandeur. On prend donc la mesure donc de AB tel qu'on voit là sur la vue de dessus. On vient donc reporter tout simplement sur l'endroit où on a envie donc de réaliser notre développement. Ok, là nous avons donc notre segment donc AB qui est tout simplement donc en vraie grandeur. Comme nous avons dit, on va commencer notre développement donc en traçant d'abord dans le triangle ABT2, d'accord. Or, comme nous avons dit, on va chercher dans le point T2. Nous avons déjà cherché la vraie grandeur de BT2 et la vraie grandeur dedans de AT2. Donc la combinaison de ces deux ici vont nous donner la position donc du point T2. Et on a notre triangle tout simplement. On prend dans notre compas, on va chercher tout simplement donc BT2 sur le développement, sur l'endroit où on a donc cherché les VG. Voici donc BT2. On vient donc prendre sa vraie grandeur ici, sur le trait carré. On vient donc sur l'endroit, c'est-à-dire à partir donc du point B, on plante donc la pointe sèche. On décrit donc tout simplement un arc tel qu'on voit là. D'accord? On revient encore ici.
on va planter dans la pointe sèche du compas donc au point A et on va prendre la vraie grandeur donc de AT2. Ça va couper l'arc que nous venons donc de décrire et ça va nous donner dans le point T2. Donc on vient donc prendre dans la VG. On prend donc tout simplement dans la VG de AT2. Ok, on prend donc tout simplement donc sur le trait carré ici, d'accord, la valeur donc de AT2, la vraie grandeur de AT2 qui est la même grandeur que A10. On prend donc tout simplement ici, on vient au point A comme nous avons dit tout simplement ici. On plante donc la pointe sèche du compas au point A et on décrit tout simplement un A. On voit que les deux A que nous venons donc de tracer se coupent ici tout simplement au point T2. On a donc notre point T2, donc voilà donc le premier point T2 que nous avons donc obtenu ici. Comme nous avons dit, on n'a qu'à joindre donc BT2 et AT2. Ok, on va chercher maintenant donc la position donc du point 9, d'accord. On n'a qu'à prendre donc T2 9 et B9. On prend donc tout simplement ici la 19. D'accord, tel qu'on voit là sur la vue de dessus, qui est tout simplement donc en vraie grandeur 10, 9 ou bien T2, 9. On vient donc tout simplement donc à partir donc du point T2. On décrit donc un arc de cercle tel qu'on voit là. Une fois que c'est décrit, on vient donc chercher tout simplement donc la vraie grandeur de B9. Alors nous avons déjà cherché la vraie grandeur de B9 sur le trait carré ici. On vient donc chercher tout simplement donc prendre cette vraie grandeur de B9 tel qu'on voit là que nous avons donc cherché. Une fois qu'on a pris, on vient tout simplement donc à partir du point B comme centre, on pointe dans notre compas, on décrit un arc de cercle. On voit que les deux arcs là se coupent tout simplement, ça nous donne donc le point 9. On n'a qu'à joindre donc B9. On continue dans notre développement, on cherche cette fois-ci donc la position donc tout simplement du point 8. On n'a qu'à prendre donc la 9-8. On plante dans la pointe sèche du compas, on prend donc tout simplement la corde 9-8 sur la vue de dessus, tel qu'on voit là. D'accord, on prend donc cette distance ici, on vient donc à partir donc du point 9 comme centre avec cette valeur là. On décrit encore un arc de cercle. D'accord. Comme nous avons dit, si on veut avoir le point 8, il nous faut tracer encore B8. Donc c'est la combinaison de 9-8 et B8 qui donne dans le point 8. On cherche donc on peut donc prendre la vraie grandeur de B8 que nous avons donc cherché sur le trait carré. On prend donc cette valeur là, on vient donc planter la pointe sèche du compas au point B. On décrit donc tout simplement un arc de cercle là. On voit que les deux arcs se coupent et ça nous donne tout simplement le point 8. On continue. On veut donc tout simplement chercher cette fois-ci la position donc du point N1 comme nous avons dit ici. D'accord. On va donc prendre tout simplement la 8 N1. D'accord. On prend donc la 8 N1. Donc, il faut noter que c'est cette partie-ci qui menace un peu sur ce développement-ci. Donc, c'est la partie-ci qui menace un peu. Donc, il faut juste bien suivre dans la méthodologie. Donc, je prends donc tout simplement ici, donc, 8, 7. Je viens tout simplement donc sur le développement. Je décris encore tout simplement un arc de cercle. Donc, je plante dans la pointe sèche du compas au point 8. Je décris un arc de cercle de ce rayon-là, tel qu'on voit. D'accord? Je reviens maintenant, je sais que si je veux avoir donc la position donc du point 7, je vais prendre la B8, je vais prendre la 8-7 et je vais prendre tout simplement la vraie grandeur de B7 et j'aurai donc la position donc du point N. On peut donc chercher tout simplement là où on a donc déterminé donc les vraies grandeurs, d'accord. On cherche donc tout simplement, on prend donc la vraie grandeur de B. De BN1, d'accord, ou bien encore de B7. Donc, on sait bien que cette vraie grandeur, si BN1, c'est encore la vraie grandeur de B7. On vient donc prendre ça tout simplement ici, sur le trait carré.
Une fois qu'on a donc pris cette vraie grandeur ici sur le trait carré, on vient donc tout simplement ici à partir donc du point B, comme ça entre, on plante donc la pointe sèche du compas et on décrit donc un arc. Ça nous donne tout simplement donc le point N1, qui est encore tout simplement le point 7. C'est-à-dire, c'est au niveau de la ligne d'assemblage déjà ici, comme on a appelé ça N1. Donc, cette N1 sont situées au même niveau. D'accord? On peut donc joindre tout simplement B8 et BN1 ou bien B7. Ok, on continue tout simplement notre développement. Une fois qu'on a donc tout simplement notre point 7 ou bien notre point N1, on cherche dans la position donc du point M1. Ok, pour avoir le point M1 tel qu'on voit là, d'accord, il suffit, regardons bien ici sur la perspective, d'accord, sur la perspective cavalier ici, il suffit donc de prendre la distance donc BM1, d'accord, et d'écrire un arc de cercle et prendre encore la pointe sèche du compas ici, prendre la vraie grandeur donc de N1 M1 et on aura donc la position du point M1, d'accord, puisque comme nous avons dit ici on a une droite verticale. C'est bon, on continue donc tout simplement. On prend donc tout simplement le compas. On prend d'abord la distance donc BM1, qui est la distance donc de la petite base BM1. On peut donc regarder ici sur la perspective cavalière pour bien comprendre. Voici donc BM1 ici. On vient donc à partir du point B. On décrit donc un arc de cercle tel qu'on voit là. Voilà notre arc de cercle que nous avons donc décrit, d'accord, qui correspond donc à BM1. On prend maintenant donc la vraie grandeur donc de N1 M1. Comme nous avons dit, c'est une droite verticale. Donc sa vraie grandeur n'est autre chose que sur la vue de face ici. Donc voici sa vraie grandeur ici. N1 M1. Donc voici sa vraie grandeur parce que c'est une droite verticale. On peut donc voir ça ici. Donc voici sa vraie grandeur ici. On n'a qu'à prendre donc cette vraie grandeur sur la vue de face. On vient donc tout simplement ici. Donc on vient donc tout simplement ici avec donc notre compas. On plante donc la pointe sèche du compas, tout simplement cette fois-là au point 7 ou bien au point N1. On décrit donc notre arc de cercle tout simplement là. Comme nous avons dit, on voit que les deux arcs là donc, se sont coupés. Et les deux arcs là, comme on a dit, ça devait se couper. Et ça devait nous donner donc le point M1, c'est-à-dire au point là où il y a la ligne d'assemblage. Donc on prend ici que nous avons donc notre point M1. On n'a qu'à joindre donc BM1 et M1N1. Nous voyons que c'est bien logique ici et on voit bien que les deux droites ici là on a bien un angle droit, c'est-à-dire un angle donc de 90 degrés. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir tracer cette courbe ici, d'accord, qui est la partie circulaire. On continue donc de ce côté-ci à gauche du point A. On prend donc là T2. 11, tel qu'on voit là, on vient donc à partir donc du point T2 sur le développement. On plante donc la pointe sèche du compas au point T2. On décrit donc un arc de cercle égal au rayon que nous avons pris tout simplement, c'est-à-dire égal au rayon tout simplement T2 11. D'accord, on cherche donc la position du point 11. On n'a qu'à prendre donc la vraie grandeur de A11 que nous avons donc déjà cherché. On vient donc ici sur le trait carré. On prend donc la vraie grandeur de A11. On vient donc tout simplement au point A. On plante dans la pointe sèche du compas. On décrit tout simplement un A ici. Les deux A se coupent et nous donnent donc la position donc du point 11. On peut joindre donc A11. On continue. On cherche dans la position donc du point 12. On prend donc là 11-12, qui est en vraie grandeur tout simplement. On vient donc planter la pointe sèche du compas au point 11. On décrit un arc de cercle donc égal donc à ce rayon tout simplement donc 11-12.
pour avoir la position donc du point 12. D'accord, on n'a qu'à tracer la 11 et prendre encore la 11, 12 et prendre donc la vraie grandeur de A12 que nous avons donc cherché sur le trait carré. On voit bien que la vraie grandeur donc de A12 que nous avons donc cherché sur le trait carré, on prend donc tout simplement la vraie grandeur donc de A12 que nous avons donc cherché. On vient donc tout simplement ici à partir donc du point A, comme centre, on plante dans la pointe sèche du compas. On décrit tout simplement un arc de cercle. On obtient donc notre point 12. Et on n'a qu'à joindre donc tout simplement A12. On continue tout simplement notre développement. On cherche cette fois-ci dans la position donc du point N1 ou bien donc du point T1. D'accord? On prend donc la N. On prend donc la 12N. On est déjà au niveau donc de la ligne d'assemblage. On prend donc la 12N ou bien 12T1. À partir donc du point 12, on plante donc la pointe sèche du compas. On décrit donc un arc de cercle de rayon donc 12N. On voit bien que si on veut dans la position donc, du point N ou bien du point T1, on prend donc la vraie grandeur de AT1 ou bien la vraie grandeur de AN. On décrit donc tout simplement un arc de cercle. On vient donc chercher la vraie grandeur donc, de AT1. D'accord. On a donc cherché la vraie grandeur donc, de AT1 que nous avons donc trouvé tout simplement ici. On part donc sur le trait carré. On prend donc la vraie grandeur donc de AT1, d'accord, ou bien AN1. On vient donc à partir du point A, comme centre, on plante dans la pointe sèche du compas. On décrit donc tout simplement un arc de cercle tel qu'on regarde là en image. Ça nous donne donc le point N ou encore le point T1. On n'a qu'à joindre donc AT1 ou AN1. Ok, on continue donc tout simplement. On cherche donc la position donc du point M. On n'a qu'à prendre donc la vraie grandeur donc de MN. D'accord? On décrit donc tout simplement un arc de cercle. À partir donc du point N, on prend donc la vraie grandeur donc de MN sur le trait carré. On vient donc à partir donc du point N comme centre, on décrit tout simplement, on plante dans la pointe sèche du compas au point N, on décrit dans un arc de cercle tel qu'on voit là en image. D'accord? On prend maintenant donc la vraie grandeur donc de AM. On sait bien que AM est tout simplement la vraie grandeur sur la base inférieure. Donc on prend donc cette vraie grandeur là, AM. Ok, on vient donc planter la pointe sèche du compas tout simplement donc au point A. On décrit donc tout simplement donc notre arc de cercle, on voit que les deux arcs se coupent tout simplement ici et nous donne donc la position donc du point M, c'est-à-dire le point où il y a la ligne d'assemblage. Ok, donc on peut joindre donc tout simplement AM. Et on joint encore tout simplement AM et MT1 ou bien MN. On peut donc voir tout simplement que au niveau de la ligne d'assemblage ici, au niveau de la ligne d'assemblage, on voit encore qu'on a un angle donc de 90 degrés à ce niveau-ci. Donc très important, donc à ce niveau-ci, on a eu un angle de 90 degrés, même chose de ce côté. Comme nous avons vu ici, la base donc supérieure est circulaire, d'accord?
Donc on va tracer tout simplement dans cette courbe-ci en main levée. D'accord? Ok. Donc ce n'est pas avec la règle graduée. Donc on va donc prendre tout simplement donc point par point. On va donc tracer cette courbe-là. D'accord? En main levée. On va donc passer par les points. N 12 11 T 2 9 8 et atterrir tout simplement donc au point N1. On continue donc tout simplement. On trace d'abord un trèfle tel qu'on voit là en image. Une fois qu'on a donc tracé un trèfle, on peut donc renforcer tout simplement. Comme nous avons dit, on peut donc voir comment nous avons donc renforcé tout simplement. On peut donc voir notre surface composée. On n'a qu'à faire la mise au net en renforçant les traits et effacer les traits qui ne servent à rien. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. On peut donc voir tout simplement le demi-développement de notre surface composée que nous venons donc comme ça de tracer. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!